Zombie apocalypse. Salut les gamers! On se retrouve aujourd'hui sur Gesso Gaming pour la suite du chapitre 11. Donc la dernière fois, je vous avais laissé sur la petite nacelle là, qui traverse tous les ennemis, c'est très sympa. Je pense que je vais bien rigoler. Ah. Donc voilà, bah écoutez, on est parti. Hein. On va pas perdre de temps plus que ça. Et on est parti. Ah, mais ça, j'adore. Je tire dans le vide, quoi. Ah là là là, c'est quoi ça? Ah putain, c'est quoi ça? On a ça le plan feu. Ah putain, mais qu'est-ce que cette blague? Ah ouais, non, mais d'accord, super. Ok, en fait, je crois que j'ai pas compris le système. Je crois que j'ai pas compris du tout le système. Parce que, à mon avis, ça doit rouler, je pense, les trucs. Il faut vraiment taper au bon endroit, je pense. Parce que là, c'est vrai qu'on a rien pour se cacher. Hein. Là, t'es bien. T'es au milieu là, de la nacelle, t'es bien. Alors, hop, allez, on récupère. Comme la dernière fois. Alors, par contre, carreau explosif, je vais en fabriquer. Je vais les remettre. Le pistolet, je vais le charger. Bonjour. Bon, d'accord. Le mec, je l'ai déconnecté. C'est pareil, la nacelle, hein. Va très très vite, hein. Non, c'est la nacelle qui va tout doucement, hein. Qui avait bien envie de te voir buffer à buter. Okay. Ok. Ok, je comprends mieux pourquoi je me fais cramer. Je comprends mieux. Ok. Ça, c'est galère. Je sens que je vais galérer. Je sens vraiment que je vais galérer. Je sens vraiment que je vais en chier. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aime en chier. Vous savez pas encore? J'adore en chier. Merde, mais quand on est con, on est con. Du coup, hop. Casse ta gueule. Voilà. Ensuite. Lui, je vais directement l'aveugler. Je casse la gueule. Ok. En fait, c'est assez simple, mine de rien. En fait, il se casse souvent. Mais non, mais... Combien longtemps, hein? Hop là. Je me sens bien sans être bien, en fait. Thank you.
Ouais, là j'ai encore plus rien. Putain. Donc là, bah, on va bouger, hein. Ouais, je suis content de sortir. Hop. Ok, moi je voulais pas aller pour ça en fait. Je pensais qu'en allant, en allant par là en fait, on allait récupérer bah, les munitions en fait de tout ce qu'on a buté, quoi. Mais non, même pas. Donc ça déjà c'est pas trop cool. Et on peut pas monter. Ok. Alors. Là il y a des balles. Hop. Ensuite, mais il n'y a pas de balles plus que ça non plus. Là je dois pas descendre à mon avis. Point de contrôle, ok. Sauvegarde. Est-ce qu'on sauvegarde? Enfin, je sais pas, franchement, on est juste à côté du point de contrôle. Là, je comprendrai jamais en fait pourquoi ils mettent les points de sauvegarde à côté des points de contrôle. Je sais pas, c'est pas un truc logique. Non, on peut pas le casser. Bon, y a pas de balle, hein, clairement. En même temps, dans un bureau, parce qu'on est clairement dans un bureau, ça m'aurait un peu étonné. Ah, quoique. Je vais pas aller trop vite. Kidman. Deux secondes, hein. J'arrive. Je viens à ton secours, mais pour l'instant, il y a des choses un peu plus importantes que toi là, tu vois. Parce que si je viens de sauver 100 balles, je pense qu'on peut rigoler. Si t'as des balles, tu vas pouvoir m'aider. Mieux d'aller l'aider. Oh non, 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 mais non, putain, non. Ah lui, il m'avait pas manqué. Putain, il a pas manqué du tout. Bon, faisons comme toujours depuis ce chapitre 11. C'est-à-dire, cherchons comment pâcher. Ah putain. Donc là, ok. Là. Pas la gueule. Allez, viens. Ah oh, putain, non. Ah, mais sur quoi il faut pas en faire ça? Putain. Et t'es vraiment. Allez, monte!
En fait, dès qu'on entend la sonnette, faut y aller, quoi. Allez, voilà. Voilà, on est monté. Forcément, lui aussi, il est passé, hein, bah oui. Tout à fait normal, hein. Des balles juste devant tes pieds, mon garçon. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais moi je les ai vus. Kidman, j'arrive! Au secours, ils sont trop nombreux! Alors, cherchons pas où passer. Parce que là. Non mais putain, je t'ai foutu un cadavre, mon pote. Tu fous ma gueule ou quoi? Sérieux, je te fous un appât, je te fous à bouffer et tout. Ben non, bon vie. Et par contre, t'as bien envie de me faire chier, ça y a pas de problème. De toute façon, je vois que passer sur nos pas en fait. Je vois pas où passer autrement. Clairement, je vois pas trop. Donc, ou alors faut détacher les deux, quoi. Mais. À la poutre. Ou alors justement, faut pas trop se mettre loin. C'est-à-dire genre là en fait. Ah, du coup, faut dépêcher aussi. Ouais, c'est pareil. Ah putain. Ah là. Parce que je vois que ça en fait à faire, je vois pas autre chose. Non, parce qu'il passe pas par le sa rambarde, j'ai essayé. J'ai appuyé ce bouton X pour sauter. Monsieur ne va pas. Monsieur est un peu casse-couille sur la barre. Voilà. Oiseau. Ouah, faut que j'attende vraiment qu'il a pris la. Qu'il a pris la page, j'en sais rien. Bon, tu peux ramasser les balles, attends, je vais pas me battre contre toi. Kidman, j'arrive! Au secours, ils sont trop nombreux! Oui, bah ça, j'ai pas compris. Parce que là, il est encore là-bas, il l'a pas vu en fait. Il a pas vu le cadavre. Parce qu'il y en a un autre là. Ok, il y en a un autre là. Putain, mais. Permettre d'aller jusque là-bas. Non mais. Gars! Qu'est-ce qu'il y a des fois qui me saoule? Vous procédez par logique. Donc procédons par logique. Je sais pas si je crois que je peux relancer le scénario par contre. Je pense pas. Hein.
Après, ça a un impact vraiment énorme. Je peux quand même le mettre. Voilà. Ouais, je sais, j'arrive, t'inquiète pas. Je me sens rien quand même. Dans la mesure où peut-être que j'y arriverai au moins. Putain, non. Mec, réfléchis. Oh putain. Toi, réfléchir, mais c'est comme si on demandait la misère, en fait, c'est ça. Ah, peut-être que je peux tirer jusqu'à là-bas. Ouais, ça m'aurait étonné aussi. Tiens. Tu peux monter? Voilà, merci. Précision. On a qu'une chance, on n'a pas le droit à l'erreur. Et j'ai pas loupé ma chance. Tu l'as vu le cadavre là-bas, mon gars? C'est vrai que c'est que ma gueule, quoi, tu veux. Mmh, la con. Putain, mais va ailleurs, sérieux. Tu sais, c'est qu'il n'y a pas d'autres cadavres. Il n'y a pas d'autres cadavres. Fusil à pompe. Une balle fusil à pompe. C'est où en fait? On y va, on est des coups au cul. Non. Ah non. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Ah putain, c'est chaud hein. Franchement, c'est vachement chaud hein. Faut être rapide et puis on a le bouton sprinter quand on est à pied, mais on l'a pas à la nage. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est un peu comme sur Dragon Age quoi. Ils connaissent pas le bouton sprinter quoi. C'est. Enfin, bon, bref. Pas sûr. Moi la cinématique, elle a un peu le cul en fait. Donc, on passe à la chose principale. Okay, c'est bon, il a vu. Allez, rien à foutre. Allez. Précision. Non, tu me pousseras pas dans la place. Voilà, parfait. Allez, voilà. Bon, on va attendre le deuxième passage. On va y aller maintenant. Après, on sent une constante.
Allez, on est bon. Hein. Non, j'ai dit qu'on était bon. Ouais. Oh putain. Oh, la chape est belle. Franchement, la chape est très très belle. Alors, ensuite. Point de contrôle. Ok, au moins on est sûr qu'on peut pas repasser par là. Et là, il y a pas mal de monde. C'est cool, hein? Ouais, c'est super chouette. Donc comme je pense que ça va durer assez longtemps, cette partie-là, moi je vais retourner là. Hop, en mode... Non. Et je vais vous laisser là, les gamers. Et on se retrouvera pour la prochaine épisode du chapitre dès demain. Allez, à plus les gamers!